entraîneur et propriétaire. C'est la sixième étape du Francir Bonnet Cross Challenge, alors qu'on s'est tout de suite emparé du commandement au centre de la piste avec certaines Chita qui après un bon départ qui s'est tout de suite emparé du commandement au saut de la première EM. Et on vient également avec Diablotin de Bré. Diablotin de Bré a pris l'avantage alors que maintenant c'est Brunel Le Gecorne qui est plus côté corps qui est venu lui contester cet avantage juste devant Isserton Chita qui précède Isserton Pandora qui vient également avec I Am The Boss actuellement. Les concurrents abordent le tournant et le début de la ligne opposée, un peloton assez groupé dans cette épreuve pour aborder le début de la ligne d'en face avec Brunel Le Gecorne qui emmène librement le peloton avec Diablotin de Bré en seconde position. On est en troisième position et on tente de venir avec Les Foul Patriot juste devant I Am The Boss qui n'est pas loin du tout. On vient également avec Isserton Chita et on est là également avec Isserton Pandora, les concurrents qui vont maintenant descendre la carrière et pas de changement de table en tête actuellement avec Isserton Pandora, avec Isserton Chita qui sont tous les deux aux avant-postes avec maintenant Brunel Le Gecorne qui va en troisième position. Les concurrents vont aborder une nouvelle diagonale et une nouvelle difficulté. Regroupement général en tête actuellement avec toujours maintenant le numéro 6, Isserton Pandora qui est venu prendre l'avantage alors qu'on vient en seconde position pour franchir les bidons avec Diablotin de Bré qui l'a librement. On est en troisième position avec le numéro 3, Les Foul Patriot, Kazakh Delaunay juste devant Brunel Le Gecorne, Isserton Chita. Et là également, c'est I Am The Boss, Kazakh Delaunay qui ferme la marche du peloton une longueur ni plus loin. Les concurrents abordent le tournant et pas de changement de table en tête actuellement avec aux avant-postes, eh bien... pour franchir le trou à bord franc, Diablotin de Bré qui a toujours librement l'avantage après la banquette avec Les Foul Patriot, avec Isserton Chita qui est là également juste devant Isserton Pandora. Il franchit le petit fence, Brunel Le Gecorne a fait l'intérieur et se rapproche de la tête de course actuellement alors qu'on ferme la marche du peloton à distance avec I Am The Boss. Les concurrents sont dans le tournant et pas de changement en tête, toujours une allure très régulière imprimée en tête donc par Isserton Pandora et avec librement juste devant Diablotin de Bré qui précède maintenant Les Foul Patriot qui revient au centre du peloton. On est là également avec eh bien, I Am The Boss qui est plus loin à l'arrière-garde. Brunel Le Gecorne tente de refaire du terrain actuellement. Les concurrents vont franchir la banquette avec Isserton Pandora, Diablotin de Bré solidement au commandement en troisième position. On retrouve maintenant Brunel Le Gecorne devant Isserton Chita qui précède Les Foul Patriot. On est à distance actuellement avec la Kazakh Delaunay d'I Am The Boss. Les concurrents ont franchi une nouvelle haie. Isserton Pandora, quel avantage de puissance en mettre maintenant alors que Diablotin de Bré est dans son seconde position juste devant Brunel Le Gecorne qui précède Isserton Chita. Chita, une longue armée plus loin, retrouve le numéro 3, Les Foul Patriot. Les concurrents franchis une nouvelle haie, se dirigent vers le fond de l'hippodrome avec toujours Isserton Pandora, Kazakh Mustang qui a librement l'avantage alors qu'on vient maintenant en seconde position, bien calé dans son dos et on tente de venir prendre l'avantage avec Diablotin de Bré qui parvient, qui reprend l'avantage sur Isserton Pandora maintenant alors qu'ils vont aborder la phase finale de l'épreuve, alors qu'on va tenter de venir également